Salut, donc aujourd'hui je vais vous montrer un laser pour une scierie mobile. Donc je voudrais remercier la compagnie Appynex qui m'a envoyé le laser pour que je puisse faire une vidéo. Donc je vais vous mettre les liens dans la description tantôt si vous voulez l'acheter. Donc je vais vous montrer ça. Ok, donc je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé. Premièrement, le support pour installer le laser sur la scierie mobile. Ensuite, le laser. Donc c'est pas le plus fort, c'est le deuxième plus fort. Le 20 MW. Ensuite, il y a le 50. Il y en a des moins forts, donc on va voir à quoi ça va donner un 20. Ensuite, il y a l'interrupteur. Dans le fond, c'est que vous pluguez vos fils du laser dedans, puis vous avez deux batteries AAA que vous mettez, puis vous avez une switch pour le partir et l'arrêter. Peut-être que dans le futur, je vais voir si on ne peut pas l'installer sur la batterie. Si votre moulin à scie a une batterie pour le starter, vous allez pouvoir sûrement faire ça aussi. Donc, on va l'installer comme ça, puis je vais voir plus tard. Ok, donc je vais ouvrir les sacs. Ok, donc on va ouvrir ça. On va voir à quoi qu'on a l'adapteur et le laser. Donc, une petite boîte assez simple. J'ai amené des batteries AAA, il n'y en a pas de fournies avec. Donc, okay. Ça s'est mis. Donc maintenant le laser. Ok, donc je vais essayer de trouver une place pour installer ça, puis je vais vous montrer ça, où est-ce qu'on va l'installer sur le moulin. Thank you.
Ok, donc je vais maintenant vous dire ce que je pense d'avoir un laser sur ce Siri mobile. Donc premièrement, c'est-tu nécessaire d'en avoir un? La réponse est non. Est-ce que ça l'amène certains avantages? Oui. Ça apporte un bon outil visuel pour gagner du temps lorsque tu délignes ou tu fais des coupes. Quand il faut tricher le petit bout du bio, soit avec un jack ou un shim, c'est moins long. Avec ça, tu vois où est-ce que tu vas passer au lieu de regarder avec un galon à mesurer à chaque fois. Donc on peut gagner un peu de temps là. Si vous sciez à l'extérieur, par exemple, vous verrez probablement pas le laser. Donc, si vous n'avez pas un abri au-dessus du moulin, ça sert comme à rien parce que vous verrez pas. Je voulais juste ajouter avant de finir, si certains d'entre vous utilisent déjà des lasers sur leur Siri mobile, vous pouvez laisser des commentaires. Ça peut aider des personnes à avoir plus de points de vue sur est-ce que ça vaut la peine d'avoir un laser sur sa Siri mobile. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci, salut! Thank you.